هل تعرف أن الكرة محرمة؟ كفر موسى. كيسكي تي فيها لا؟ ريان. أمني لا. سان غصتك صوتة دوال. لك دوالك صوتة. بس أنا قاندون تقولي. لما قاندون تقولي كجاكا فريكة. أوكي راسا. نعم أوقف قولو تقيد فيها. أكا صبر سان. فلافلاني. أياتك. قولنا أنا أقف قاندون كنا بيرو. أكا صبر. نكو نتادو. إيه. وش ما يوان. والله. Koyene fasoye, ngobale mwalu tomboktu yene fasoye. Gulo la tratira sa, mwishu mlihaka. Demu so manu me kasilala. Ana sorry kiet dawras ngra sa si deita jaita moktukma. Hier soir, on vous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? Kafakum innakum tusiuna bi salam al muslimin. Ego jihadi kuna. Sen de ufak durduk gittim. Sivri met duvayı sastım ağdar. Madem Fatıma ağlar duvay et. Ama sen o sadet ve cevatı yuvatı sen. Sen avara. Dofa edip dedi. Hori hadi ağınız. Edine tuvi kendisini. Fırans edine tuvi kendisini. Damettin şik. Fa ayna hiye rahme. وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزم؟ Si les gens, ça y est, bah, c'est bon. Génial. Si vous pouvez juste aller faire dehors effectivement les interviews, j'en serais ravi. Pour laisser la place à la prochaine conférence. Postile là-bas, ouais, et complètement au fond, tu montes les escaliers, il y a le salon Eiffel. Okay. De toute façon, il y aura des gens à l'entrée pour filtrer. I'm dancing, going.
Nous allons commencer. Bien, écoutez, je vous remercie. Nous allons commencer dans quelques instants maintenant. Juste le temps que nos derniers participants s'installent. On va essayer de ne pas prendre trop de retard. Et donc de terminer vers 12h45 avant la pause déjeuner. Voilà, bon, je pense qu'on va commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente Jean-Marc Gravellini, je suis le vice-président de la compagnie fruitière. Donc nous sommes réunis pour la dernière table ronde de ce matin, dont le titre est « Agriculture et agro-industrie vers l'intensification raisonnée ». Cette session sur le secteur agricole, d'une manière générale, a été, donc, dès hier matin, soulignée avec l'importance que l'on doit à ce secteur, qui reste un secteur effectivement essentiel pour les économies africaines, essentiel avec des enjeux majeurs en termes économiques, évidemment, puisque c'est une filière qui contribue à créer de la valeur ajoutée, à créer de la richesse, mais également à créer de l'emploi, à distribuer des salaires, et donc par là aussi un enjeu majeur sur le plan social, à travers, autant que faire se peut, la distribution des revenus, la création de richesses, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Des enjeux très forts également en termes de lutte en quelque sorte contre l'exode rural qui paraît inéluctable, mais c'est vrai que plus les conditions de vie, plus les conditions de rémunération au milieu rural seront favorables, moins l'exode rural sera fort. Et derrière l'exode rural, on sait tous qu'il y a des enjeux aussi en termes de sécurité, de terrorisme, il faut bien l'avouer également. Donc des enjeux très forts de ce point de vue-là. Et puis bien évidemment des enjeux environnementaux, car quand on parle de secteur agricole, on parle de ressources naturelles que l'on valorise, que l'on met en valeur. Et aujourd'hui, si on travaille dans la perspective effectivement de préserver ces ressources naturelles pour les enjeux, pour les futures générations, il est essentiel de prendre en compte également cette dimension environnementale. Alors, pour cette table ronde, donc, nous aurons un propos de Jean-Philippe Puig, qui est donc le directeur exécutif du groupe Avril, qui va nous situer la problématique générale, et ensuite plusieurs interventions. Je vous présenterai successivement les intervenants, et nous aurons donc, si nous tenons à peu près dans une heure de présentation, nous devrions avoir une demi-heure pour pouvoir échanger avec vous, recevoir vos contributions, dialoguer, répondre à vos questions. Et ensuite, donc, Monsieur Philippe Thioux-Borde, le président de la Fondation Avril, conclura nos débats par donc une synthèse. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole donc à Jean-Philippe Puig, je le répète, donc président du groupe Avril, groupe donc dans le secteur des oléagineux, leader sur le marché européen et mondial. Donc la règle du jeu reste la même, hein, c'est 8 minutes d'intervention par intervenant, donc nous devrions pouvoir tenir effectivement dans une heure de présentation avant d'ouvrir les débats. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, 8 minutes pour faire quelques propos liminaires et sur cette session. Agriculture, agrobusiness vers l'intensification raisonnée. Donc, c'est un néologisme, intensification raisonnée.
qui signifie finalement produire plus, produire mieux, nourrir l'ensemble de la planète et particulièrement le continent africain tout en préservant son environnement, oui, ça va s'appliquer au continent africain. Ce que je voulais dire en introduction, finalement, c'est que il y a une vision assez manichéenne de l'agriculture qui souvent oppose deux, je dirais, façons de produire très caricaturales. Donc on parle d'une agriculture intensive. Et quand on dit intensif, tout de suite, dans l'inconscient collectif, on pense grandes entreprises, on pense augmentation des intrants, on pense éventuellement ces grandes entreprises qui récupèrent les bénéfices, qui spolient les populations locales. Et on pense évidemment destruction de l'environnement, voire produits de mauvaise qualité. Et à l'opposé, on parle d'une agriculture familiale qui essentiellement est là pour l'autosuffisance très souvent des familles, mais qui pose aussi la question du revenu de ces populations, sachant que cette agriculture familiale est quand même celle qui prédomine en Afrique. Alors la question, c'est, sans aller à l'extrême d'un modèle ou à l'autre modèle, y a-t-il une voie médiane qui va permettre à l'Afrique de pouvoir se nourrir, de pouvoir nourrir les populations en protégeant l'environnement. Sachant que l'enjeu, et vous le savez tous, l'enjeu important aujourd'hui, c'est l'augmentation de la population, l'augmentation de la démographie. On parle de 9 milliards d'habitants au niveau de la planète, et aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Et l'Afrique, 2050, c'est 1 milliard de personnes en plus à nourrir. Donc, est-ce que le modèle familial peut permettre de lever ce challenge? C'est vraiment une question que l'on doit débattre. Nous, chez Avril, on pense finalement qu'il faut trouver une voie médiane entre ces deux modèles qui sont souvent caricaturés, une voie médiane qui permettra finalement une agriculture raisonnée. On ne parle pas d'une intensification raisonnée, mais d'une agriculture raisonnée, c'est-à-dire, ne nous leurrons pas, il faut produire plus, donc augmenter les rendements, il faut produire sur plus de surface, on n'a pas le choix, et il y a encore énormément de surface disponible en Afrique, et il faut produire mieux en diminuant les intrants, en utilisant de la technologie, en utilisant des procédés, des processus qui ont fait leurs preuves dans d'autres zones de la planète. Et je dirais, en France, on a du savoir-faire de ce côté-là, puisqu'on a beaucoup de filières qui ont su se développer et mettre au point un certain nombre de technologies et d'inventions qui ont augmenté la productivité tout en diminuant les intrants. Hein, donc sur notre filière, on a diminué de plus de 20% les intrants tout en augmentant la productivité. Donc c'est faisable. Et cette technologie, là, elle est disponible pour l'ensemble du continent africain, même si ce n'est pas sur les mêmes cultures et qu'il faudra l'adapter. Donc nous, on préfère parler finalement d'agroécologie ou d'agriculture écologiquement intensive. Donc voilà sur les modèles. Alors ensuite, je dirais peut-être aussi en introduction, l'enjeu, puisque chez Avril, nous sommes dans la filière des huiles et des protéines, donc je vais parler plutôt de ces deux enjeux-là. Nous avons mené une étude pour savoir, finalement, sur les huiles et sur les protéines au niveau de la planète, quels étaient les enjeux. Si je vous fais une conclusion très courte, au niveau de l'huile, effectivement, on va pouvoir largement nourrir la planète parce qu'on a le palme qui a une productivité qui est très élevée, qui se développe, qui s'est développée en Asie, qui se développe en Afrique et dont on voit qu'elle sera capable finalement de répondre aux besoins de l'ensemble de la population mondiale et évidemment africaine. Par contre, il y a un enjeu pour nous qui est beaucoup plus important, c'est la protéine. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que finalement, vous avez à nourrir plus de personnes, donc effectivement, ce milliard d'Africains qu'il faut nourrir en plus, mais vous avez aussi à faire face à cette transition alimentaire, finalement, du végétal vers l'animal. Donc nous, je dirais en Europe, aux États-Unis, pour une partie, un certain nombre de pays asiatiques, ont déjà fait cette transition. Les Indiens commencent juste, les Africains ne l'ont pas encore fait. Donc ce qui veut dire que l'ensemble de la population va aller, avec son niveau de vie qui va augmenter, vers un peu plus de protéines d'origine animale. Et qui dit animal dit un multiple du végétal.
Et pour faire simple aussi, en 2030, vous aurez un besoin de plus de 90% par rapport à aujourd'hui de protéines sur le continent africain. 90%. Et là, on n'a pas la solution aujourd'hui. Donc, il va falloir travailler, travailler sur le type de culture, travailler sur l'augmentation des rendements, parce que sinon, on va manquer de protéines. Alors, évidemment, on ne va pas la trouver si elle n'existe pas, mais ça va avoir une incidence directement sur le prix de cette protéine. Alors, nous, le groupe Avril, en quelques minutes, nous sommes impliqués sur la filière des huiles et protéines en France depuis 1983. Et on a essayé d'appliquer ce modèle que je viens de vous décrire, de valoriser l'ensemble des maillons de la chaîne, en partant effectivement, pour nous, c'est plutôt le colza, hein, qui a 60% de protéines, 40% d'huile, mais aussi le tournesol, les pois, les fèves, donc tout ce qui permet de valoriser les huiles et protéines, je dirais, en France pour démarrer, en valorisant au maximum les produits issus de cette agriculture. Donc on pense tout de suite à l'huile, l'huile de table, mais on peut aussi faire du biodiesel, on peut aussi faire de l'oléochimie, et nous travaillons aujourd'hui sur la protéochimie. Donc finalement, comment créer de la valeur? Et c'est aussi un enjeu hein, pour l'Afrique, c'est comment créer de la valeur localement dans les pays issus de l'agriculture. Et c'est quelque chose qu'on a su faire dans la filière des huiles et protéines françaises, qu'on est en train aujourd'hui d'exporter dans un certain nombre d'autres pays. Et c'est notre mission aujourd'hui, puisque nous sommes présents dans 22 pays. Donc pour conclure, je vous donnerai juste deux petits exemples de pays dans lesquels nous sommes implantés. Je commencerai par le Maroc, où nous avons fait l'achat d'une société qui s'appelle Le Sieur Cristal, finalement qui nous a rendu le plus grand producteur d'huile de table, mais aussi de savon dans ce pays-là. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas l'achat d'une société et la production locale, ce qui est intéressant, c'est notre engagement vis-à-vis du gouvernement marocain dans le cadre du plan Maroc Vert. Le Maroc importe pratiquement et importé en 2012 toute son huile, essentiellement de l'huile de soja des États-Unis, alors que, je dirais, ces conditions climatiques lui permettent de produire du colza, du tournesol localement. Donc notre engagement auprès du gouvernement marocain était de dire, écoutez, nous, on va travailler avec vous pour créer des interprofessions, pour travailler avec les agriculteurs et pour faire en sorte que on passe de pratiquement zéro à quelques 200 000 hectares plantés de tournesol et de colza. C'est en bonne voie, on en est à 40 000 hectares, et ça va permettre, je dirais, à diminuer les importations d'huile au niveau du Maroc, comme on a su le faire en France, où au départ on importait plus de 90% de nos protéines, et aujourd'hui, grâce à nos développements, on n'importe plus que 40% de ces protéines. Au-delà, je dirais, de simplement ces cultures de colza de tournesol, notre engagement aussi a été de continuer à développer les plantations d'oliveraies. Pourquoi ? Parce que le Maroc fait, un petit peu comme la Tunisie l'a fait, énormément de plantations. Ça va lui permettre non seulement d'être autonome, mais de commencer à exporter un certain nombre de ses produits. Et là aussi, on peut aider à structurer cette exportation dans des pays comme effectivement les États-Unis, grands consommateurs, ou vers l'Asie. Voilà un petit peu notre engagement filière, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval, que l'on peut faire avec un certain nombre de pays. Je finirai avec l'exemple du Sénégal, où, alors là, on est sur aussi une filière oléagineuse, mais l'arachide. Sénégal, très connu pour être, depuis tout temps, leader dans l'arachide. Il l'était. Il est en train de perdre cette position parce que déstructuration de la filière, parce que, je dirais, manque de technologie, manque de capital pour travailler sur les semences. Et petit à petit, cette filière s'est délitée. Donc, nous avons de grandes discussions avec le gouvernement, mais aussi nous sommes en liaison avec les agriculteurs pour pouvoir travailler, sélectionner les meilleures semences, faire en sorte de contractualiser. Nous avons aussi des usines là-bas. Contractualiser avec eux pour pouvoir avoir un débouché, parce que finalement, pour les agriculteurs, il faut un prêt garanti, il faut pouvoir être payé, ce qui n'était pas toujours le cas dans une filière qui ne marchait pas. Voilà, je pourrais être très long, parce qu'on a d'autres pays, grâce aussi avec à la Fondation Avril, mais Philippe en parlera sûrement beaucoup mieux que moi, dans lesquels nous développons, nous essayons de développer ces filières et cette façon de faire de l'amont jusque vers l'aval. Je répondrai vraisemblablement aux questions qui se poseront tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Merci pour ces éléments de cadrage. On voit bien à travers l'expérience effectivement du groupe Avril que ce thème, en quelque sorte, de la,
l'amélioration des performances, hein, des filières, notamment la vôtre, mais pas seulement, est un enjeu majeur par rapport aux défis en termes de, à la fois d'alimentation du continent africain et encore une fois donc de création de richesses. À travers votre exposé, on voit bien que l'innovation est un sujet essentiel, qu'elle peut être apportée par des groupes agro-industriels. Et donc, je demanderai à Alexandre Vilgrain, le président donc, du groupe Somdia, de nous présenter en quelque sorte, dans le secteur agricole de manière générale et dans le domaine agro-industriel en particulier, toutes les innovations possibles qui devraient effectivement permettre, contribuer à l'amélioration des performances et aux défis, faire face aux défis qui sont devant nous dans ce domaine. Merci. Écoutez, puisqu'on n'est pas très nombreux et puis qu'en plus on a un peu de temps et que je vais pouvoir pas faire de l'autopromotion sur mon propre groupe, je suis aussi président du CIAN, Marc, je n'oublie jamais de le dire, qui, pour ceux qui n'en font pas partie, est une association où toutes les entreprises voulant se développer en Afrique se doivent d'y être. Nos amis d'Avril y sont. Bon, moi je voudrais vous parler dans un premier temps d'une petite révolution ou d'une grande révolution qui, à mon avis, alors je ne sais pas, mais qui, à mon avis, va se passer. Je vais parler du téléphone portable. Vous allez dire, mais quel est le lien entre le téléphone portable et l'agriculture? Un paysan, c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup, quelqu'un qui est intelligent. Parce que s'il perd sa récolte, il perd un an. Personne, aujourd'hui, c'est rare d'avoir un métier dans lequel, quand on fait une erreur, on perd un an. Mais c'est ça. Et un paysan africain, il perd un an. Donc, ça, c'est la base de départ. Que vous soyez un petit paysan, un moyen paysan, un grand paysan, vous avez toujours cette appréhension-là. Il faut absolument que votre récolte soit vendue. Et si elle n'est pas vendue, eh ben vous ne la refaites pas l'année prochaine parce que vous n'avez pas l'argent pour refaire. Donc, c'est très important. Alors, d'où vient, pourquoi le téléphone? Parce qu'en Afrique, on passe de rien, il y en a un qui sonne, on passe de rien au smartphone. C'est-à-dire qu'on passe de rien, quand je dis rien, c'est vraiment absolument rien. Il y a 25 ans, 20 ans, il n'y avait pas un téléphone, il n'y avait même pas un vrai téléphone en brousse. Et vous passez au smartphone. Je vous signale que dans un smartphone, il y a plus d'électronique, de puissance informatique que dans tout le programme Apollo des États-Unis de l'époque. C'est pour vous situer à peu près le gap philosophique que les Africains vont passer et sont en train de passer. Donc, si vous n'avez pas de route, ben vous ne pouvez pas aller au marché. Mais si vous n'avez pas de téléphone, ben vous ne savez pas exactement ce qui se passe sur le marché. Vous ne pouvez pas appeler le taxi brousse qui vient chercher votre marchandise. Donc déjà, la première des choses, et on le voit sur les routes, l'autre jour j'étais entre Dolisie et Nkaï, ben les gens, Nathan, les produits qui étaient sur la route, ils étaient emmenés tout de suite, alors qu'il y a encore 5-6 ans, on voyait des tonnes de pommes pourrir sur la route parce que ben, le taxi brousse n'arrivait pas, parce que le train n'était pas là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et maintenant, on va même plus loin, puisque ça s'appelle les SIM, ça s'appelle les systèmes d'information des marchés. Vous avez des organisations professionnelles, des ligues de commerçants qui s'arrangent avec les paysans pour dire, écoute, n'amène pas tes tomates aujourd'hui ou ta salade aujourd'hui, amène-la demain parce qu'il y en a trop sur le marché. Et donc, ça permet de réguler le marché et ça permet surtout de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de pertes, qu'il y ait beaucoup plus de fluidité sur le marché. Et je ne vous parle pas de trucs qui sont que j'invente, je vous parle de trucs qui existent vraiment. Il y a même des sociétés françaises qui sont en train, vis-à-vis des grosses, de leur dire, mais écoutez, nous, on a 3-4 000 personnes qui relèvent les prix et qui relèvent les quantités sur les marchés. C'est des bases de données, c'est pour Nestlé, c'est pour L'Oréal, et ainsi de suite. Mais c'est parce que ça marche déjà pour des petits paysans. Et ça, c'est ce qui existe déjà. Et ça, c'est une vraie, vraie révolution. Maintenant, en plus de ça, vient se rajouter sur le téléphone. Hier, il y avait le monsieur d'Orange et il y avait la ministre de l'Agriculture du Togo. Le monsieur d'Orange disait, ah, c'est dur, mais bon, enfin, le marché est formidable en Afrique. Une personne sur deux a un téléphone. Mais en France, je ne sais pas, certainement, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs téléphones, mais une personne sur deux, quand vous êtes reculé au fin fond du Tchad, un téléphone sur deux, je veux dire, votre femme et vous avez vos enfants, si vous avez déjà un téléphone, c'est pas mal, je trouve. Donc, il ne faut pas oublier, les bébés en France, ils n'ont pas de téléphone. Donc, imaginons un téléphone sur deux. Ça veut dire que pratiquement
En Afrique, sur tout l'ensemble du continent africain, il y a des téléphones partout. Alors, il n'y a pas partout Internet, il y a à peu près 20% en 3G, 2G, 3G, 4G, mais ça va aller très vite. Et donc, on peut considérer qu'il y aura une couverture absolument impressionnante du marché des data en Afrique dans quelques années. Et donc, je vais parler du M-paiement. Aujourd'hui, vous êtes cotonculteur au Burkina Faso, vous êtes payé sur votre téléphone. Hier, la ministre de l'Agriculture du Togo disait qu'elle passait les subventions des engrais directement sur le téléphone des gens. Donc ça veut dire que cette révolution chez les petits paysans, cotonculteurs, les gens qui produisent du maïs, les gens qui produisent du vivrier, ainsi de suite, est en train de se passer. Et donc la production agricole de ces petites exploitations va certainement doubler, tripler, quadrupler, on le voit aujourd'hui, à peu près dans tous les territoires dans lesquels, en tout cas sur l'Afrique francophone que je sillonne pas mal, on le voit. Et donc le M-paiement, c'est quelque chose, là, probablement les compagnies de téléphone vont devenir les plus grands banquiers du monde. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi que le paysan, il a son téléphone avec lui, et donc il n'a pas besoin, il ne se fait pas voler. Il va probablement aller à l'école, parce que c'est très important pour eux, pour acheter les livres, les journaux, enfin les livres, les cahiers, ainsi de suite, pour les enfants. C'est quelque chose qui va fluidifier énormément le système. Mais ce n'est pas tout. C'est que nous, on parle en Europe du crowdfunding, des réseaux sociaux qui se mettent ensemble, et ainsi de suite. Mais ça existe déjà en Afrique. Et croyez bien que les paysans, qui sont très inventifs, les utilisent à mort. Mais à fond, je dirais, c'est hallucinant. C'est-à-dire que le petit paysan, j'ai appris ça au Burkina Faso, monsieur le président, c'est grâce à la société des côtes. Ils ont des réseaux, donc ils sont en SMS. Tous les paysans du coin, ils ont, qui font par exemple les cotonculteurs, ils sont 40, 50, 60, et ils sont tous en réseau. Le type, il a 20 000 CFA sur son portable. Il doit acheter un truc à 25 000, mais il envoie un SMS à tous ses copains en disant « Est-ce que vous pouvez me prêter 5 000 que je vous rembourserai lors du prochain système, enfin du prochain paiement ?» Et ça marche, et ils arrivent à obtenir de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est sur des petites sommes, mais demain, ça veut dire que ça sera sur des engrais, ça sera sur des équipements agricoles, ça sera sur ce genre de choses. Donc c'est une révolution qui se prépare. J'ai encore un peu de temps, Marc, ou pas? Oui, bon. Alors, donc ça, c'est pour les petits et les moyens. Et je suis chargé, je vais parler d'autre chose, je vais parler de totalement autre chose pour vous dire que c'est possible aussi. Nous avons une exploitation agricole au Cameroun qui fait 22 000 hectares, qui s'appelle la Sosucam. Donc 22 000 hectares, c'est 22, 23 000 hectares de canne. Donc c'est une grande exploitation agricole. Nous avons décidé en 2003, pour des raisons de production, de prix de revient, de dire on ne gère pas bien notre exploitation agricole, il faut qu'on soit plus moderne. On ne peut pas continuer à faire des champs tout droit, on a des problèmes d'érosion, on ne peut pas continuer à mettre de l'engrais partout de la même façon alors qu'on sait qu'il y a des endroits c'est moins bien et mieux, et ainsi de suite. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a numérisé, maintenant ça se fait par satellite, mais à l'époque c'était par les avions, on a numérisé au centimètre près la plantation de 22 000 hectares. On l'a mis dans un ordinateur, et de ça, on a mis, et c'est ce qui va se passer maintenant en Afrique, partout, on l'a mis dans, relié au GPS TRK, c'est-à-dire au centimètre près. Puis une fois qu'on a fait ça, on a passé un tracteur sur les 20 000 hectares, 20 hectares par jour, donc 20 000 hectares, ben, ça met presque... On avait deux tracteurs, donc ça a mis 500 jours, 500 jours sans pluie, sans plantation, sans rien, pour voir quelle était la qualité de la terre. Et tout ça, on le rentre dans un ordinateur aussi. Puis une fois qu'on a tout ça, donc on a une donnée, ben à ce moment-là, on met les tracteurs sur le GPS. Et aujourd'hui, nous avons des tracteurs dans lesquels les chauffeurs amènent au bord champ le tracteur, et plus personne ne touche le tracteur, et le tracteur fait des virages, suit en courbe de niveau pour la plantation, pour la récolte, pour le petit tracteur qui vient à côté de la récolteuse prendre la canne, et surtout pour épandre les engrais. Et vous avez, alors c'est compliqué parce que les marchands d'engrais veulent vous vendre des trucs complets, alors que maintenant, c'est ce qui est sophistiqué, c'est qu'on a des petites boules vertes, des petites boules rouges, des petites boules jaunes qu'on répartit
On a plusieurs qu'on répartit en fonction de là où on en a besoin. Il y a plus besoin d'azote là, il y en a besoin de moins, plus d'acide là, ainsi de suite. Voilà, donc ce n'est pas des choses... Tout ce dont je vous ai parlé sont des choses qui ne sont pas dans les limbes et futures. Non, c'est des choses qui sont maintenant. Donc on peut passer, on peut avoir une vraie révolution agricole en Afrique, pour peu que les États continuent ce qu'ils font à faire des infrastructures correctes, c'est-à-dire qu'on ait des routes, et ainsi de suite, pourvu... Et je pense qu'on va en parler, pourvu qu'ils protègent quand même les marchés, qu'on ne se retrouve pas avec des produits qui viennent du Brésil à des coûts absolument hallucinants, et pourvu qu'on ne soit pas prélevé trop, ou que les paysans ne soient pas trop prélevés par les États. Donc l'agriculture africaine est en devenir, et je pense qu'elle est sur une bonne voie, et qu'elle a, elle va bénéficier à plein de toutes les nouvelles technologies sans avoir à passer par les étapes que nous avons eu à passer, nous, en Europe et aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour... Merci pour cette vision, effectivement, très, très optimiste, mais très réelle. Et effectivement, le traitement de données, la collecte de données de masse, le traitement par les systèmes d'information, c'est quelque chose qui est à portée de main dans le secteur agricole, agro-industriel et agricole, en Afrique également. Donc merci à nouveau. Je voudrais maintenant passer la parole à Adeline Lescane-Gauthier, qui est la directrice générale de la société Nutricet. Donc Nutricet, on va continuer effectivement dans l'innovation, puisque c'est une approche extrêmement intéressante, donc d'une filière à partir de la recherche, à partir de la production et de la distribution, donc, et de la vente de produits qui sont de alimentaires, nutritionnels, qui vont permettre effectivement de prévenir et de combattre la malnutrition, enfin, qui permettent d'ores et déjà. Donc il y a cette approche innovante, et puis également cette approche de partenariat avec les producteurs de céréales, les producteurs de nutriments en quelque sorte locaux, qui se dessinent également, et donc à travers les partenariats, notamment avec le groupe Dangote. Monsieur Sani Dangote nous a demandé de l'excuser, il ne sera pas avec nous ce matin, mais je pense que Adeline nous parlera également donc, de ce partenariat avec ce grand groupe africain. Adeline, à vous. Merci, bonjour. Donc en effet, Nutricet est une société qui a 30 ans cette année. Depuis 30 ans, on met au point et on fabrique et on exporte des aliments pour traiter la malnutrition. Donc c'est des petits sachets comme ça que vous avez sans doute vu. Connu étant Plum Peanut, donc des produits pour traiter la malnutrition aiguë sévère. Depuis quasiment, je crois, la création de Nutricet, on a toujours réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait rapprocher la production des programmes, des besoins, donc des enfants. L'idée, je crois, de ça, c'est aussi de se dire on traite les enfants de la malnutrition. Alors c'est génial, on en est très fiers surtout quand les enfants sont en malnutrition aiguë et qui sont à risque de mourir. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ces enfants, eux, puissent nourrir leurs enfants dans le futur? Et c'est la réflexion qui a conduit Nutricet aussi à se demander comment est-ce que l'on peut utiliser notre compétence en termes d'industriel comme un outil, un levier de développement dans les pays programmatiques. Donc ce qu'on appelle, nous, les pays programmatiques, c'est les pays dans lesquels il y a des programmes, particulièrement des Nations Unies, pour traiter la malnutrition. Donc depuis 10 ans, on a développé un réseau qui s'appelle Plumpy Field. Et ce réseau s'appuie sur des industriels dans les pays programmatiques. C'est une sorte de franchise industrielle. J'ai envie d'appeler ça une plurinationale. C'est-à-dire que c'est une alternative à une multinationale qui exactement partout la même chose. L'idée de ce réseau, c'est de mutualiser les coûts de recherche, de mutualiser nos savoirs, mais de garder les spécificités locales tant en termes d'habitudes alimentaires, en termes de connaissances, mais ça peut être aussi en termes de management et beaucoup d'autres choses. Donc je crois que c'est un peu ça la particularité de notre approche, c'est d'être capable de localiser ses productions et d'être capable d'avoir un apport dans un pays qui ne soit pas qu'un produit, mais vraiment toute une chaîne de valeur. Donc je ne parlerai pas de la partie filière, puisqu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi aujourd'hui pour en parler.
Mais si on prend l'exemple du partenariat avec Sani Dangote, l'idée pour le groupe Dangote, c'est aussi de développer une agriculture pour pouvoir la transformer. Et nous, on arrive au niveau de la transformation. Donc, on va mettre en place ensemble une usine au Nigeria qui, dans un premier temps, va être capable de répondre aux besoins du pays en termes de produits pour traiter la malnutrition, qui sont très, très, très importants au Nigeria. Mais avec l'ambition aussi de créer une industrie agroalimentaire qui serait capable d'offrir une alimentation de qualité et non pas une alimentation importée de France, mais bien utiliser des matières premières sur des recettes traditionnelles et d'être capable d'offrir dans le pays une agro-industrie de qualité. Donc voilà un peu notre modèle. Et ce qu'il a peut-être de particulier, c'est d'être capable de faire cette recherche et de la localiser aussi au sud. On travaille notamment au Burkina Faso sur la capacité de développer un centre de recherche dans le pays avec non seulement des équipements mais aussi des capacités en termes d'analyse, des capacités en termes de compréhension culturelle. On a des anthropologues, on a différentes compétences au sein du groupe pour la compréhension, et puis on essaye le plus possible d'avoir un partage sud-sud en termes de recherche, en termes de bonnes pratiques, et je crois que c'est vraiment aussi là le futur de réussir à avoir tous nos partenaires qui peuvent travailler ensemble avec des partenariats qu'on peut créer en Asie avec des réseaux de distribution très structurés et qui peuvent venir aider des partenaires dans d'autres pays où les réseaux de distribution vont être moins structurés, mais qui auront une connaissance plus importante de la transformation de certaines matières premières. Donc voilà, on croit beaucoup à ça aussi, les échanges sud-sud. Merci beaucoup Adeline. Donc, merci pour ces propos, parce qu'on voit effectivement à travers cet enjeu majeur qui est la nutrition et la lutte contre la malnutrition, en particulier des enfants, on voit que votre approche depuis 30 ans, en effet, est très intégratrice en termes de partenariat. Et on a l'ensemble des acteurs d'une filière, depuis la recherche jusqu'à la distribution, en passant bien évidemment par les producteurs, qui sont impliqués. Et je crois qu'on peut souligner en effet ce rôle très, très fédérateur de cette initiative, de ce projet, de cette réalisation aujourd'hui donc de Nutricette. Pour prolonger donc ces exposés, je vais demander donc à François Burgot, qui est le président de l'ADEPTA et qui est également directeur général du GNIS, donc le Groupement National Interprofessionnel des Semences, l'ADEPTA étant effectivement la structure en charge de l'accompagnement des entreprises agro-industrielles françaises, agroalimentaires françaises à l'international. Donc François va maintenant nous restituer un petit peu en quelque sorte tout ce qui vient d'être dit par rapport aux grands enjeux de politique publique, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui encore le secteur agricole en termes de politique publique exprime des besoins très importants, l'accès au crédit évidemment, les questions foncières et bien d'autres sujets également, comme le rôle des TPE et des PME africaines par rapport à ces groupes agro-industriels. Donc François, si tu peux nous resituer ces enjeux pendant les minutes qui viennent, à toi. Merci. Pardon. Oui, c'est plus pratique si j'ai un micro. Merci Jean-Marc. Pour démarrer, je voudrais dire que l'ADEPTA et ses 200 entreprises qui vendent 10 milliards par an, dont 3 milliards sur l'Afrique subsaharienne. Et donc je parlerai non seulement au nom des entreprises de l'ADEPTA, mais aussi au nom de leurs clients, qui sont effectivement pour l'essentiel des PME africaines dans l'agro-industrie et qui ont besoin des équipements qui sont vendus par les entreprises membres de l'ADEPTA. Il y a un consensus entre nous et j'aurais tendance à dire un consensus international sur l'idée que les pays d'Afrique doivent assurer leur sécurité alimentaire. On parle bien de sécurité alimentaire, pas d'autosuffisance, c'est-à-dire en profitant de leurs avantages de compétitivité et en important les produits sur lesquels ils ne sont pas compétitifs.
Mais je vais me permettre, c'est un peu mon rôle dans ce débat, de me concentrer sur les facteurs négatifs par rapport à cette perspective. Vous avez entendu des expériences extrêmement positives et intéressantes sur comment les choses avancent. Moi, je voudrais insister sur trois points sur pourquoi les choses n'avancent pas plus vite. Premier point, c'est celui de la productivité. Les pays africains ont la productivité la plus faible de tous les continents. Je prendrai deux espèces, le maïs, l'Afrique, et c'est une moyenne, est à 2 tonnes hectare. Donc, si vous enlevez l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Afrique du Nord, ça va baisser considérablement. L'Asie en maïs est à 5 tonnes hectare. La France est à 9 tonnes. La Chine est à 6 tonnes. Vous prenez le riz, l'Afrique est à 2 tonnes 6, l'Asie à 4 tonnes 6 et la Chine à 6 tonnes 7. Donc, on voit bien que dès le départ, l'agriculteur africain part avec un désavantage compétitif. Le problème, c'est que ça a des conséquences. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le paysan africain qui part avec un désavantage compétitif, c'est aussi celui qui va utiliser les produits issus de ce paysan africain. En effet, à ce niveau de compétitivité, le paysan n'a pas les moyens nécessaires qui lui permettent de répondre, je dirais, à l'aléa climatique auquel faisait référence Alexandre Villegrain. Tous les paysans du monde prennent le risque climatique, mais dans un certain nombre de pays, on a réussi à ce que, autour de ce risque climatique, on essaye de mettre des compensations. Le paysan africain n'en profite pas, et donc celui qui achète au paysan africain n'en profite pas non plus. Donc, ça veut dire que si on ne résout pas ce problème de rendement, on ne permettra pas le développement d'un tissu d'entreprises agroalimentaires africaines permettant à l'Afrique de se nourrir et de ne pas importer. Alors, il est évident que, dans la mesure où on dit ça, ça veut dire qu'on doit se poser la question de la protection des marchés. Se poser la question de la protection des marchés, c'est se souvenir que l'agriculture européenne s'est développée dans le cadre d'une protection communautaire. C'est se souvenir aussi plus récemment que l'agriculteur américain bénéficie de ce qu'on appelle les aides contracycliques, c'est-à-dire que à chaque fois que le prix mondial du maïs ou du riz passe en dessous d'un certain niveau, l'agriculteur américain touche une aide du gouvernement fédéral américain. Et donc, il est bien évident que si, dans ces conditions que je viens de décrire, on met le paysan africain en concurrence avec le paysan américain, européen ou le paysan asiatique, il va cumuler, en tout cas avec le paysan européen et américain, il va cumuler le désavantage qu'il a en matière de rendement avec un désavantage qu'il aura en matière de revenus et de protection du marché. Et on voit bien que les pays dans lesquels se développent aujourd'hui des industries de transformation agroalimentaire sont des pays qui ont mis en place des protections de ce type. Alors, sans aller jusqu'à ce qui a été fait au Sénégal, qui, il y a à peu près 2 ans, je pense, ou 3-4 ans, a totalement interdit l'importation de poulets de chair et d'œufs. Et vous savez que, voilà, le Sénégal a dit, bah oui, c'est contraire aux règles de l'OMC, mais voyons s'ils vont m'exclure de l'OMC. Sur la base de cette interdiction, la filière avicole sénégalaise est devenue autosuffisante en poulets de chair et en œufs en 2 ans. Mais plus intéressant que ça, la filière avicole sénégalaise, autour de son leader, qui est une grosse entreprise, la CEDIMA, a créé une interprofession et a réuni l'ensemble des petits aviculteurs du Sénégal grâce à cette protection. Et au-delà de ça, vous savez que la question de la qualité sanitaire des aliments
production locale animale et végétale en Afrique de l'Ouest est particulièrement préoccupante. Une étude récente de la Banque mondiale a montré que cette qualité sanitaire était une des plus mauvaises du monde. Et donc, l'interprofession avicole sénégalaise peut profiter de cette protection pour mettre en place, elle-même, à la place des États, des choses qui relèvent dans nos états de politique publique, qui sont notamment les questions de sécurité sanitaire des élevages. Alors, en plus de ces politiques sur le foncier, de ces politiques de protection, je rappelle quand même une dernière chose sur ces politiques de protection, l'OMC autorise, au moins pour les pays en développement, de mettre en place des protections dégressives sur 5 ans. Donc, c'est sûr que 5 ans, c'est un peu court pour développer des filières nationales, mais il y a des marges de manœuvre et je pense que s'il est de la responsabilité des États africains et des États qui veulent soutenir le développement en Afrique, de modifier, de faire évoluer les règles de l'OMC comme elles ont su évoluer pour accepter les aides contracycliques américaines dont je viens de parler. La dernière chose, c'est que pour développer des entreprises africaines dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il leur faut des partenaires français, mais il faut aussi qu'il y ait des politiques, d'autres politiques publiques. J'en citerai rapidement trois. La première, qui est un problème extrêmement complexe, et toutes les entreprises françaises le reconnaissent, c'est la question du foncier. Le fait qu'il n'y ait pas de propriété foncière agricole dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne a un double inconvénient. Il a l'inconvénient que l'attachement à la terre est différent, mais il a aussi l'inconvénient que le paysan en Afrique n'est pas, je dirais, un sujet bancable. Et donc, et j'y reviendrai, ça lui veut dire qu'il est extrêmement difficile pour lui d'obtenir des crédits. Deuxième question, tout ce qui concerne les politiques contractuelles, la structuration des filières et les interprofessions. Là, il y a des évolutions, mais encore une fois, pour que ces évolutions soient positives, il faut qu'elles le soient dans le cadre de politiques publiques qui protègent. Troisième question, la question de la formation, qui est extrêmement sensible dans le secteur agricole et agroalimentaire. On manque cruellement en Afrique de techniciens. C'est-à-dire qu'il y a des écoles d'agronomie, il y a des ingénieurs qui sortent des écoles d'agronomie. On sait que le niveau de l'enseignement supérieur et des gens qui sortent de l'enseignement supérieur, que ce soit dans des universités africaines ou qui vont à l'étranger pour ça, est comparable à ce qu'il est en Europe. Par contre, trouver dans une usine de semences un technicien pour faire tourner l'usine qui soit formé, trouver dans une entreprise laitière un technicien qui soit compétent justement en conditions sanitaires de la collecte du lait, ça c'est extrêmement compliqué. Enfin, je dirais que il faut qu'on se penche tous ensemble sur deux questions, une que j'ai évoquée, qui est la question du financement. Lionel Zinsou rappelait hier que le continent africain, en particulier l'Afrique subsaharienne, était sous-financé. Et effectivement, au niveau des entreprises, aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver l'équivalent de 100 000 euros si vous voulez acheter une mini-laiterie ou si vous voulez acheter une station de semences. Donc ça, c'est un problème sur lequel tout le monde doit se pencher, parce que, y compris les grands bailleurs de fonds, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, n'ont pas encore les outils qui permettent ces financements. Et la dernière chose, c'est peut-être, j'ai un rêve, un jour, qu'on puisse faire de la coopération autrement. Je m'explique, en prenant l'exemple des semences. Pendant des années, l'État français a payé des chercheurs publics français pour aller travailler avec des chercheurs publics africains pour faire de la création de nouvelles variétés. Sans se poser la question une seconde qu'en France, les variétés qui sortent de la recherche publique doivent représenter 1% de l'ensemble des variétés qui sont utilisées par les agriculteurs français. Et sans se dire, mais après tout, si en France, c'est des entreprises privées qui
créer des variétés pour les agriculteurs français, peut-être que c'est cela qu'il faudrait envoyer. Donc on est passé d'une situation où on envoie des chercheurs publics français dans la recherche publique africaine avec les plans, programmes d'ajustement structurel agricole, à une situation dans laquelle on a dit, mais oui, c'est vrai, on a regardé en France, bon, c'est pas la recherche publique qui s'occupe des semences, c'est le secteur privé, donc privatisons. Mais privatisation, ça a voulu dire qu'on a arrêté d'aider, effectivement, qui que ce soit dans ces pays africains pour faire de la création de nouvelles variétés. Ça consistait à se retirer, sans réfléchir, à dire, mais est-ce que comme ça, du jour au lendemain, un secteur privé africain va naître sans qu'on lui crée des conditions, qu'on lui crée un environnement sans qu'on l'aide. Donc, mon rêve sur les semences, mais on peut le reproduire, c'est de dire qu'un jour, peut-être, on pourrait essayer de diriger des financements publics vers des acteurs privés africains et français aux conditions de financement qu'on utilise dans les financements publics et pas aux conditions des agences qui sont spécialisées, que ce soit Profaparco en France ou la SFI, au financement des entreprises. Merci. Merci, merci beaucoup François. Merci donc d'avoir situé nos échanges dans ce cadre des politiques publiques incitatives. Et effectivement, je crois que cela valait la peine, en effet, de resituer ces grands enjeux. Je soulignerai notamment la question qui est à la fois ancienne, mais pourtant complètement d'actualité, de la protection, en quelque sorte, hein, des marchés. C'est un débat ancien. Je me souviens que l'AFD, dans les années 80-90, avait produit une étude qui comparait justement des systèmes de protection qui étaient tout à fait identiques dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou la Malaisie. Mais avec peut-être effectivement, malgré tout, et autant le dire, effectivement, des objectifs, des finalités qui malheureusement ont évolué dans des sens très, très différents, avec en Asie des systèmes de protection pour permettre aux entreprises, pendant un laps de temps donné, de se mettre à niveau de la compétitivité internationale, à l'abri de ces protections, mais avec des objectifs très précis en termes de renforcement de la compétitivité. Et malheureusement, dans certains pays, effectivement, d'Afrique de l'Ouest, ces protections ont permis davantage l'établissement de niches et de situations de rente, quelquefois, qui, effectivement, n'ont pas permis cette confrontation à la compétition internationale. Enfin, je suis certain que c'est un sujet qui est en effet encore tout à fait d'actualité et qui animera nos débats dans quelques instants. Mais avant cela, si vous le permettez, je voudrais demander donc à monsieur Philippe Tillous-Bord, qui est le président de la Fondation Avril, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, de peut-être donner une première synthèse, en quelque sorte, des présentations qui ont été faites, pour ensuite ouvrir le débat avec vous-même. Merci, Philippe. Merci. Bonjour à tous. Donc, la Fondation Avril, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, a pour mission les ruralités, le monde agricole, l'alimentation saine et durable et la lutte contre le changement climatique. Je dirais ses principales missions. Elle est aussi actionnaire du groupe Avril. Moi, je remercie les intervenants pour la richesse de leur intervention et surtout l'éclairage qui a été fait sur ce sujet aussi vaste, donc la problématique agricole en Afrique. Il y a un consensus, j'ai l'impression, c'est qu'il réside un défi dans tous les esprits, consensus, je dirais, qu'il y a un défi à relever pour les prochaines décennies, qui est la nourrir pour l'agriculture africaine, être capable de nourrir plus de 2 milliards, sans doute, d'habitants. Et ceci avec une contrainte, d'après les prévisionnistes, que vraisemblablement, 70% de la population, c'est ce qu'on indique, pourrait être, dans cette même période, aller vers les villes. Donc, évidemment, c'est une grosse contrainte, et c'est bien ce qui a été, qui est ressorti donc, de l'analyse.
Alors, je crois qu'il faut aussi être modeste. L'Afrique est multiple. On ne peut pas facilement tirer des conclusions sur un aussi vaste continent, dont les données sur aussi bien le climat, les caractéristiques, je dirais, agro-climatiques et les problèmes donc des populations, les problèmes plus sociétals, sont assez différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, si on prend l'agriculture sahélienne, elle n'est pas tellement comparable avec l'agriculture, je dirais, plus tropicale ou encore moins celle d'Afrique du Sud. Donc, il y a bien sûr des similitudes par certains aspects, mais je pense qu'il faut aussi être modeste dans nos approches. Il y a un point qui est ressorti, c'est effectivement le sujet de l'agriculture familiale. J'y reviendrai dans mon propos. En tout cas, ce que je veux dire à ce stade, c'est que pour moi, cette agriculture familiale en Afrique est malheureusement trop souvent proche d'une agriculture de subsistance, et il ne faut, bien loin de moi, de penser qu'il faille opposer les agricultures. Je pense qu'on a un effort à faire pour essayer de trouver de la complémentarité entre ce qu'on appelle les agricultures de régie, qui ont été bien décrites par certains, et l'agriculture familiale. Mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Alors, quand, en écoutant les différentes interventions, on voit bien, d'une manière très, très synthétique, que les possibilités, la chance ressort donc par une volonté de développer une agriculture, je dirais, écologiquement intensive, une agriculture raisonnée. On a bien souligné le problème des rendements qui sont vraisemblablement les plus bas de la planète. Et pour ça, il va falloir apporter de nouvelles techniques en tenant compte évidemment du développement durable, mais des techniques de fertilisation. Il va falloir fertiliser les sols, il va falloir très certainement, ça a bien été dit aussi, faire des progrès dans la sélection. Sélection variétale adaptée aux différentes régions d'Afrique, et évidemment aussi prévoir les difficultés liées au changement climatique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la Fondation Avril a une action en cours avec le CIRAD de dynamiser un conservatoire de semences pour les principaux centres de recherche des pays africains, bien entendu, sinon ça ne serait pas faisable, pas possible, pour justement permettre l'accès, et on retombe bien sur les propos de François Burgot, sur le fait d'avoir une pépinière, un matériel végétal qui pourra être accessible à un certain nombre d'entreprises pour pouvoir mener dynamiquement de la sélection adaptée. Je pense que ça, c'est un point clé dans la réussite, je dirais, du challenge qui est posé. J'ai bien apprécié, évidemment, la place de l'innovation dans tous ces propos. Et l'innovation, qui a différents aspects, l'innovation agronomique dont je viens de préciser, est bien sûr clé. Mais l'approche d'Alexandre Villegrain, avec la présence déjà importante du big data, en fait, il nous a décrit comme il n'est pas snob, il n'a pas voulu parler du leap fogging, mais c'est bien de ça dont il a parlé. Effectivement, je pense que quand on voit qu'aujourd'hui près de 90% de la population africaine devrait
avoir du téléphone portable, du mobile d'ici 2017-2018, je pense qu'avec toutes les nouvelles technologies qui sont introduites par cet nouvel accès à l'information, on va certainement progresser. On est vraiment dans un saut technologique d'approche, hein, d'approche. Donc ça, c'est un point très important et qui a été bien décrit. Alors, je pense qu'il faut aussi retenir le point fort concernant, qui a été mentionné sur la contractualisation. Effectivement, il y a une place importante, mais il faut la prendre du côté aussi organisation des producteurs. Il faut que, pour qu'elle réussisse, pour que cette contractualisation soit vertueuse, je dirais qu'il faut que les producteurs puissent s'organiser, qu'on puisse, dans cette contractualisation, qui est évidemment variable suivant les filières, ça me paraît implicite, et variable aussi suivant les zones géographiques, donc elle est à adapter, elle n'est pas, c'est pas une donnée en soi, mais c'est quand même un principe d'approche et qui doit tenir compte, justement, introduire les contraintes un peu de la biodiversité. Et donc, c'est en quelque sorte une contractualisation, comme on dit dans le jargon, un peu systémique, qu'il va falloir mettre en place. Et ça, c'est un atout extrêmement important, tant au niveau des grandes exploitations qu'au niveau de l'agriculture familiale. C'est un élément très fédérateur et qui pourra créer plus facilement les liens entre l'amont et l'aval. J'ai retenu également le rôle des pouvoirs publics, qui sont clés. Moi, je ne vais pas me hasarder à revenir sur les grands sujets bien développé par François Burgot sur la tarification. C'est un vaste programme, très, très complexe, il y aurait des choses à dire. Mais par contre, le souci de formation qu'il a fait ressortir me paraît évident, et la formation au bon niveau. Ça, c'est très important. Il faut donc que les pouvoirs publics accompagnent tous ces efforts qu'on en a mentionnés précédemment. Il faut une vraie politique, une ligne de conduite politique, avec derrière les investissements à la clé, que ce soit dans les stockages, que ce soit dans les infrastructures routières, que ce soit dans la mise à disposition de l'eau. Vous savez tous, je vous le rappelle, qu'il y a actuellement pratiquement, et c'est certainement encore vrai, 30% de la production agricole, c'est une moyenne bien sûr, qui est perdue chaque année, gaspillée, parce que mal stockée ou sur les routes. Voilà. Donc là, il y a un effort public très important à faire. Alors je voudrais, en dernier point, peut-être, avant que le dialogue avec la salle démarre, reformuler aussi deux points, dont un qui n'a pas peut-être été suffisamment mis en avant. Je l'ai dit, l'agriculture africaine est multiple, je me répète, mais je préfère bien le souligner, par son aspect sociétal, par son aspect agroclimatique. Sur le sujet agroclimatique ou le sujet du climat, je crois qu'il faut qu'on soit conscient que c'est en Afrique et en Asie où, d'après nos experts, la dureté du changement climatique devrait être le plus effectif. Et quand on voit les chiffres qui nous sont communiqués, c'est-à-dire si on reste dans les fourchettes basses, 2 degrés d'augmentation de la température sur l'incidence sur les cultures subsahariennes, c'est, semble-t-il, quelque chose comme 20% et plus de baisse de rendement, de baisse de productivité. Donc, ce n'est pas rien, malgré les efforts qu'on pourrait faire par ailleurs. Donc, il faut en tenir compte. C'est aussi, dit-on, 6 à 7% de plus de terres arides. Toujours pareil dans cette zone subsaharienne.
Donc, c'est un point extrêmement important, ce qui veut dire que dans le développement des nouvelles technologies, dans le développement de nos approches agronomiques, il va falloir tenir compte de cette nouvelle situation dans, je dirais, le point clé, qui est enrichir les sols en carbone, faire en fait, là aussi en Afrique, dans les nouvelles approches agronomiques, de ce sol un vrai puits de carbone qui répondra évidemment aux soucis de la planète, mais qui apportera la fertilité nécessaire également au sol. Alors c'est des techniques que l'on croit nouvelles en Europe, mais qui, semble-t-il, viennent aussi, d'après les agronomes de renom, aussi d'Afrique, et qu'elles avaient un petit peu oubliées au cours du temps. Je pense à des sujets comme les cultures intercalaires, les plants de compagne, des choses de ce type-là. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça pour les agriculteurs africains. Donc, avec un peu de science, un peu de technique, c'est, à mon sens, quelque chose qui devrait permettre de progresser et de répondre à ces grandes préoccupations de demain. Nous avons donc le deuxième point également à tenir compte, qui est le problème, je dirais, de la population. On mentionne que, en gros, en moyenne, 60% de la population est encore dans le monde rural, est encore agriculteur. C'est très variable, évidemment, suivant les pays. L'autre jour, le ministre de l'Agriculture du Burkina Faso me faisait remarquer que dans son pays, c'est 80%. Donc, il connaît bien son pays, donc on voit bien de quoi on parle. Et on se rend compte que si il n'y a pas un effort fait pour, je dirais, dynamiser une économie au niveau rural, dynamiser la création de filières, et ça en s'appuyant sur l'agriculture familiale, on aura beaucoup de mal à pouvoir, je dirais, répondre à l'ensemble de la préoccupation sécurité alimentaire et problème social. Ce qui veut dire que sur ce plan-là, il y a un très grand défi, et il me semble que je le disais dans ma conclusion d'entrée, qu'il n'y a pas à opposer les agricultures, bien au contraire. Il y a bien sûr des dispositions à prendre au niveau des pouvoirs publics pour conduire cette agriculture familiale à s'organiser, à s'organiser en petites filières répondant aux besoins agroalimentaires régionales. Mais je pense que les grandes exploitations, l'agro-business, comme on le dit, doit prendre ça également en responsabilité. C'est la responsabilité de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture écologiquement intensive, que de créer le lien, d'apporter sa compétence et de soutenir le développement de cette agriculture familiale. Il y a de l'investissement à faire, il faut le faire, et les synergies, la complémentarité entre ces agricultures devraient être bénéfiques pour l'ensemble, je dirais, du continent africain. C'est une ligne politique qui est à suivre et qui me semble absolument indispensable. Dans ce cadre, d'ailleurs, la Fondation Avril, que ce soit au niveau de la recherche de partenaires financiers pour monter des fonds de garantie pour pouvoir permettre aux petites, aux TPE, PME de l'agroalimentaire dans un certain nombre de pays, est en train
de, je dirais, rassembler les moyens pour créer les fonds de garantie pour que les crédits de campagne existent. Il y a un, pour les grandes entreprises, il n'y a pas de problème. Pour les petites, de très gros problèmes de financement. Donc voilà un souci. Pareil sur le plan technologique. Philippe, si vous permettez. Je termine, mais comme on avait du temps, je suis allé jusqu'au bout, non pas de ma conclusion d'étape, mais de ma super conclusion. Sur le plan technologique, pareil, il faut apporter aux PME locales, régionales, les moyens techniques pour qu'elles puissent se développer. Voilà, dans un premier temps, mes premières conclusions. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci pour... Tout le monde va me pardonner, bien entendu. Merci pour cette première synthèse qui, effectivement, à travers ces 4 ou 5 points, va nous permettre donc probablement d'avoir un débat tout à fait intéressant, je le souhaite, avec la salle. Donc, vous avez la parole. Je vous remercie de vous présenter et puis, autant que faire se peut, donc, de venir aux questions le plus vite possible. Donc, monsieur, oui, vous êtes le premier à avoir levé la main. Puis, monsieur... Oui. Bonjour, c'est M. Abbès du CNES d'Algérie, homologue du CESE de France ici. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants qui, effectivement, ont abordé des problématiques très intéressantes et en termes de défis, notamment en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne les défis de l'eau. Moi, je voudrais simplement poser une petite question. Depuis les années 2000, on constate une tendance à l'acquisition des terres agricoles arables, plus particulièrement en Afrique. L'Afrique totalise un certain nombre de millions d'hectares d'acquisition, qui des fois ça représente des superficies d'un pays, par exemple comme le Kenya et tout. Est-ce que les panélistes peuvent nous dire quelque chose? Est-ce une opportunité ou est-ce un risque pour les États africains quand on sait que généralement ces terres sont destinées à des cultures dirigées vers l'exportation? Et une dernière remarque, si vous permettez, c'est ce que je regrette dans le panier qu'il n'y ait pas un Africain. Voilà, tout simplement. Merci. Pardon. Je disais, je regrette qu'il n'y ait pas dans le panel un Africain. Donc. Merci. Merci effectivement de poser cette deuxième question. Donc effectivement, je vous dois donc les excuses de différentes personnalités africaines qui auraient dû participer à ce panel, mais qui se sont malheureusement désistées pour des raisons indépendantes de leur volonté. Donc au dernier moment, donc normalement, on aurait dû être parmi nous effectivement Monsieur Sani Dangote, le président donc du groupe Dangote. Monsieur Pierre Billon, le président de CIFCA, notamment en Côte d'Ivoire, et monsieur également Taïb Benamor, qui est le PDG du groupe Benamor en Algérie. Donc nous avions effectivement ces trois panélistes, et malheureusement ce sont ces trois panélistes qui, à la fois pour des raisons de santé et d'emploi du temps, n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. On va prendre une deuxième question, je pense que c'était monsieur, et puis... Il est micro, là. Puisque je me suis à micro, oui, je vous écoute. Oui. Ah, je voulais répondre, monsieur, là, je suis monsieur de Carvalho. Je préside l'agence de développement pour la Guinée-Bissau. Il n'y a pas de terres arables en Afrique à vendre, hein, parce que nous, on a besoin aussi pour cultiver et pour nourrir les pays. Parce que tout ce qui passe là, c'est les fautes de notre gouvernement. Non, je voulais répondre, monsieur, là, quand il parlait des terres superficielles, je ne sais pas quoi. Il n'y en a pas. Ça, c'est terre qu'ils prennent aux paysans, ils donnent les gens, et tout le monde, maintenant, il s'évacue vers l'Afrique parce qu'il y a les terres. Il n'y a pas de terre. On a besoin de terre aussi pour nourrir les populations. Voilà, je viens à ma question à moi. Je voulais adresser au président d'Adepta pour savoir comment on peut voir les partenariats quand on a un projet de développement agricole, et surtout pour l'équipement, s'il y a les possibilités de faire ces partenariats. Merci. Je pense qu'on va prendre plusieurs questions, donc il faudrait peut-être plusieurs micros, ce sera plus facile. Donc, monsieur puis madame, puis ensuite on répondra et on prendra une deuxième série de questions. Oui, bonjour, Jean-Luc Perron, Fondation Gramine Crédit Agricole.
Monsieur Burgot a évoqué la question de la productivité, des rendements. Monsieur Villegrain a parlé de la technologie. Il y a un sujet qui, à mon avis, est clé pour les rendements et qui touche à la technologie et que le président Tius Bord connaît bien aussi, qui est la question de l'assurance récolte et qui n'a pas été évoqué. C'est un frein considérable à l'augmentation des rendements. Un paysan africain a une stratégie contre le risque climatique. Il diversifie ses cultures ou il achète moins de semences parce qu'il ne veut pas être effectivement en risque. Et tout cela se traduit par une sous-performance en termes de rendement. Et donc, une condition essentielle pour augmenter les rendements de l'agriculture familiale, qui représente quand même 80% de l'alimentation des pays africains, donc on peut rêver sur des grandes exploitations, ça reste fondamental, c'est de mettre en place des couvertures appropriées à des prix supportables pour un paysan de moins de 2 hectares pour le protéger contre le risque climatique. La bonne nouvelle, c'est que la technologie aujourd'hui le permet. Et donc pourquoi ne pas le faire ? La technologie, c'est non pas d'assurer avec des experts qui vont sur le terrain pour constater les dommages, parce que le coût de l'expert serait 10 fois le montant de l'assurance, et donc le modèle économique ne fonctionne pas. Mais le modèle économique de l'assurance indicielle, basé sur des indices météorologiques alimentés eux-mêmes par l'imagerie satellitaire ou par des stations météo de surface, permet d'avoir un déclenchement automatique de l'indemnisation quand les indices révèlent, par exemple, un déficit hydrique dans une période clé pour la croissance de la plante. Certes, ce n'est pas une baguette magique, il y a encore des problèmes techniques à régler pour réduire ce qu'on appelle le risque de base. En ce qui nous concerne, Fondation Gramine Crédit Agricole, on travaille là-dessus depuis un certain temps, on est nous-mêmes investisseurs dans une entreprise au Kenya qui développe ce type de produits et les distribue à travers la chaîne agro-industrielle en liant l'assurance au sac de semences, au sac d'engrais ou au prêt fait par une institution de microfinance. Et l'an passé, avec nos collègues de Syngenta, qui ont été les initiateurs de ce projet, nous avons assuré 400 000 petits agriculteurs de moins de 2 hectares au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie. Je me permets d'attirer l'attention sur ce point. Et d'après nos constatations, un agriculteur assuré augmente de plus de 20% ses rendements d'une année sur l'autre. Merci, madame. Et puis ensuite, les panélistes répondront à cette première série de questions. Merci. Je suis la présidente du réseau des femmes entrepreneurs. Je viens du Sénégal. Nous avons des terres arables, mais nous avons des cultures saisonnières. Donc, nous avons besoin de booster les cultures hors saison. Et pour ce faire, il nous faut promouvoir l'irrigation. Donc, nous avons besoin de partenariats pour l'irrigation. Et ensuite, pour éviter de tomber sur ce que le président Senghor appelait la détérioration des termes de l'échange, nous avons besoin de promouvoir l'industrialisation locale. Il faut produire, mais il faut industrialiser et faire la distribution. Pour la distribution également, nous avons besoin de partenaires extérieurs pour vendre nos produits. Donc, il faut promouvoir les chaînes de valeur. Donc, nous, les femmes, nous sommes dans la promotion de ces chaînes de valeur et avec un projet que nous appelons réalisation de villages verts. Dans ces villages verts, nous aurons des domaines agricoles, des domaines d'élevage, aviculture, etc. Donc, nous avons vraiment besoin d'établir des partenariats gagnant-gagnant avec les investisseurs ou avec des partenaires européens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, on va effectivement répondre à la dernière question, madame, puisque si elle est en lien avec les précédentes, et ensuite on répondra. Merci. Oui, je suis madame Clara Fafolan. En fait, moi, je suis la présidente d'un comité d'organisation de MIS. J'ai effectivement remarqué le problème de sécurité alimentaire en Afrique et je me suis penchée sur la question. Donc, nous avons fait plusieurs colloques en Afrique pour savoir les problèmes qui créent qu'on a dans ce secteur. Alors, on s'est rapproché des agriculteurs, des villageois. On est allé sur le terrain et après plusieurs colloques, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Les problèmes que ces gens-là ont évoqués, ils nous ont dit, vous parliez de l'agriculture familiale tout à l'heure, ils ont dit que, madame, vous savez, des fois nous produisons, mais malheureusement, on nous a dit de produire. Alors nous avons produit, nous nous sommes débrouillés, mais on n'a pas réussi à vendre notre récolte. Donc, c'est un point très important. Donc, non seulement il y a un problème sur place où il n'y a pas de financement, c'est vraiment un peu du débrouillardisme, je dirais, mais ceux qui arrivent quand même à passer ce cap aussi n'arrivent pas à s'en sortir.
Il y a un autre problème capital qui a attiré mon attention, c'est le problème d'encadrement. C'est-à-dire les villageois sont encadrés par des investisseurs qui leur achètent les engrais. Et à l'arrivée, quand il finit de payer celui qui lui a permis d'acheter son engrais, il lui reste plus rien. C'est-à-dire l'agriculteur d'aujourd'hui n'arrive pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice. Pourquoi ? Parce que le coût de l'engrais est trop élevé. Alors, ils nous ont parlé d'autres problèmes. On a fait quand même une quarantaine de petits colloques et nous avons décidé de créer le premier salon de l'agroalimentaire et de la matière première africaine, le premier salon européen. Et ça va se passer en Belgique le 23-24 septembre 2016. Et moi, je suis là parce que je suis sautée sur l'occasion pour voir, parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup, justement, la dame a intervenu tout à l'heure, ils veulent des partenaires, d'autres veulent des filières, d'autres veulent des distributeurs. Je pense qu'il faut créer un réseau qui permet à tout le monde de se rencontrer. Donc, c'est la solution que nous avons trouvée et j'espère qu'il y aura du monde. Je serai ravie de recevoir certaines personnes à la fin de cette table ronde. Merci. Merci bien. Bien, donc nous avons plusieurs sujets effectivement à travers ces questions liées donc au partenariat, à l'assurance, aux chaînes de valeur, à la commercialisation des productions et puis de manière générale aussi à la rentabilité des exploitations familiales. Ce sont des questions qui interpellent plusieurs de nos panélistes, donc peut-être Alexandre. Oui, je voudrais répondre sur l'accaparement des terres puisque c'est un sujet qui est en permanence dans tous les colloques sur l'agriculture. Et dans lequel beaucoup d'ONG parlent. C'est des chiffres toujours très impressionnants. Donc il y a des annonces de groupes et surtout de gouvernements disant qu'ils ont donné des parcelles 100 000 hectares à Dreyfus dans le nord de la Côte d'Ivoire pour faire du riz. 600 000 hectares à Madagascar, c'était à l'époque aux Coréens Daisun ou je ne sais plus quoi. Bon. Finalement, au fond, en réalité, c'est beaucoup d'annonces pour pas grand-chose. Si les gens prennent la terre pour en faire quelque chose, tant mieux. En général, c'est de la réserve foncière pure et simple qui ne sert strictement à rien. Et donc, aujourd'hui, quand un gouvernement donne une concession à quelqu'un pour faire, j'en sais rien, du maïs, c'est très compliqué s'il y a déjà des paysans dessus. L'office du Niger a beaucoup de terres, soi-disant à développer. Par exemple, je parle, ça c'est une réalité. Mais en réalité, il peut donner ce qu'il veut comme terre, le gouvernement. On est incapable de les mettre en valeur, puisque tous les 20 mètres ou 50 mètres ou 200 mètres, il y a quelqu'un qui dit « mais non, c'est chez moi ». Donc l'accaparement est un sujet pour les journaux, mais n'a pas vraiment d'intérêt localement, puisqu'à chaque fois, ça se termine. Donc c'est un non-sujet, mais on en fait beaucoup de cas ici. Je voudrais répondre juste, je crois qu'il y a aussi, et à madame et à tous, il y a un vrai sujet sur le continent africain. C'est une définition du bol alimentaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique, c'est, en tout cas moi, celle que je connais, d'ailleurs c'est une partie de mon métier, mange du pain. Elle mange du pain comme personne ne mange du pain. Mais est-ce qu'on fait du blé en Afrique ? Non, on ne peut pas faire de blé en Afrique. Entre les deux tropiques, on ne peut pas faire de blé. Bon. Donc il y a quand même à un moment donné, les Africains doivent se dire, mais qu'est-ce que je dois faire, moi, demain ? Parce qu'on ne peut pas dépendre de l'étranger en permanence, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le bol alimentaire ? Vous ne pouvez pas avoir le même bol alimentaire que les Européens. Les Chinois n'ont pas le même bol alimentaire que les Européens, ni même que les Américains. Donc, il y a à un moment donné cette obligation des gouvernements de dire on doit définir ce bol. Il y a a priori au Nigeria quelque chose qui se passe aujourd'hui chez M. Buhari, puisque par manque de devises, ils sont absolument incapables de faire tourner les moulins par commande de blé, et aussi incapables de faire retourner leur raffinerie de sucre, c'est pour ça que M. Dangote, j'aurais bien aimé l'entendre, d'importation du sucre brut du Brésil pour le raffiner, ils n'ont pas les devises pour le faire. Donc, il y a un moment donné où il va falloir redéfinir exactement qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique, et à ce moment-là, de définir des filières. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que calquer un modèle qui est le nôtre, chez vous, parce que nous, c'est ce qu'on sait faire, mais il faudra peut-être qu'à un moment donné, vous nous disiez, vous, les Africains, nous, c'est pas ça qu'on a vraiment envie. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça à faire. Il y a une introspection chez vous à faire avant de nous le demander à nous.
Oui. Oui, je voulais aussi revenir sur quelques-unes des questions qui ont été posées. La première, effectivement, sur les terres. La deuxième, sur le modèle, sur les associations entre des investisseurs et des acteurs locaux. Je crois qu'il ne faut pas opposer les modèles en disant il y a les grands propriétaires qui vont prendre des milliers d'hectares, et dans les faits, comme dit Alexandre, ça ne se fait pas réellement, et la petite agriculture, c'était mon introduction. Je crois qu'il faut trouver un savant équilibre entre, effectivement, une activité plus industrielle et puis trouver l'équilibre avec l'activité plus familiale. Et pour répondre à madame, je dirais que ça ne peut se faire, un industriel va venir ou des investisseurs étrangers vont venir, que si l'assurance d'un certain volume. Parce qu'en fait, si vous voulez développer une filière, il faut investir. Il faut investir dans des outils, dans l'aval. Et les outils, c'est beaucoup d'argent, et vous n'allez pas faire une usine si vous n'avez pas la garantie d'avoir le produit à mettre dedans. Donc, le meilleur des modèles, en tout cas, c'est celui que nous prenons, c'est d'avoir à la fois une base suffisante en termes de volume hectares industriels, mais aussi de fédérer cette agriculture familiale qui va aussi amener ces produits dans les outils de l'aval, mais qui va aussi être formé, utiliser le savoir de la partie industrielle. Et c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'activité familiale va pouvoir augmenter ses rendements. On a bien vu tout à l'heure ce que disait l'ADEPTA, c'est un vrai sujet au niveau de l'Afrique. On peut parler du palme, c'est pareil. Hein. Je dirais, si on prend l'activité du palme, comparer la productivité du palme au niveau de l'Afrique, et ce n'est pas uniquement lié à la climatologie. Il y a une incidence de la climatologie, mais par rapport à ce qui se fait en Asie, il y a une différence. Et si vous regardez de près, c'est du savoir-faire, c'est de l'exploitation, c'est aussi les intrants. Si vous n'avez pas d'argent pour payer les intrants, vous n'aurez pas la bonne productivité. Et tout ça est une chaîne terrible où, comme vous n'avez pas la bonne productivité, ben, vous ne pouvez plus payer les intrants, vous ne pouvez peut-être pas payer non plus les assurances, etc. Donc vous êtes vraiment dans une chaîne terrible. Donc je crois qu'il faut avoir un mix d'un modèle à la fois sur des volumes un peu garantis dans la mesure où il y a des industriels qui viennent, qui amènent les techniques, les technologies et le savoir-faire, mais qui sait fédérer un certain nombre d'acteurs locaux de cette agriculture dite familiale pour l'aider aussi à diversifier ses cultures, et ça je pense qu'on est capable de le faire, mais à développer l'ensemble de l'aval de la chaîne, c'est-à-dire investir dans des outils, parce que les outils, c'est quand même très cher, et puis amener la technologie, le savoir-faire pour la transformation, non pas la première transformation, c'est-à-dire on prend, je dirais, la graine, on prend le produit brut et on en fait qui, de la farine ou de l'huile, mais on peut faire beaucoup plus. Et il faut créer cette richesse localement. Ça fait aucun sens que d'exporter ces semi-produits pour réimporter en Afrique des produits de troisième transformation, deuxième ou troisième transformation. On marche sur la tête. Voilà. Donc il faut arriver à se parler, il faut arriver à faire ces modèles et ne pas s'opposer, comme on l'entend trop souvent, systématiquement, entre énormément de terrains pris par l'un, et dans les faits, comme dit Alexandre, okay. Ce n'est pas le cas, et puis ces petites exploitations qui n'auront pas, de toute manière, si elles ne se structurent pas en coopérative ou en association, elles n'auront pas le pouvoir pour pouvoir financer et donner des garanties en volume sur l'aval de ces filières. Merci. Peut-être Adeline, un mot justement, parce que l'expérience de Tricep est très intéressante du point de vue justement de la valorisation dans le cadre de filières de production locale. Oui, juste une petite réaction par rapport à la valorisation et la chaîne de valeur sur ces matières premières. Il y a aussi le besoin de travailler plus peut-être en transversal et d'avoir des matières premières qui correspondent aux besoins de l'agro-industrie locale et du coup aux besoins du marché local. Et la capacité après de transformer, donc de travailler en termes d'innovation sur la transformation de matières premières locales. Nous, pour travailler beaucoup, alors je vais revenir plus sur la nutrition, mais en fait, les questions, c'est quel est le panier alimentaire disponible, quels sont les besoins qui ne sont pas couverts par l'agriculture et par ce qui est disponible. Je dis agriculture, mais on va dire par l'aliment disponible et l'accessibilité qu'il y a des nutriments sur le marché, et donc d'avoir une agriculture qui complémente ça. Et ce n'est pas toujours possible. Et quand ce n'est pas possible, c'est là que l'agro-industrie doit intervenir et doit être capable de transformer ces matières premières pour apporter une plus-value à la matière première agricole. Oui. Sur l'assurance récolte,
tant mieux si, à travers notamment des fondations, on développe des systèmes d'assurance récolte. Je suis quand même obligé de constater que l'agriculture française s'est développée sans assurance récolte. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un point central. Encore une fois, je l'ai déjà dit, si le paysan n'a à faire face qu'au risque climatique, à mon avis, il peut s'en sortir. Pour répondre à ceux qui regrettent les panélistes africains ne soient pas là, j'ai reçu il y a une demi-heure un mail de Sani Dangote, parce que dans le cadre d'un groupe de travail Africa-France auquel il participe, il écrit: il y a trois points critiques pour le développement agricole et agroalimentaire en Afrique: la faible productivité, la volatilité des prix et les capacités de financement. Donc, je suis content, ça conforte ce que je vous ai dit. Et très franchement, par rapport à tout ce qui a été dit sur l'irrigation, c'est exactement la même chose. Vous avez parfaitement raison, madame, mais en même temps, quand on voit que le rendement moyen du riz sur les terres irriguées du fleuve Sénégal, c'est 4 tonnes à l'hectare, alors que on peut sans problème, quand on a l'eau et le soleil, faire 9 tonnes ou 10 tonnes de riz. Donc il y a un vrai problème. Et on fait une saison de riz. Dans beaucoup de ces parcelles, on ne fait même pas deux saisons de riz. Donc voilà, il y a un vrai. Et je conclurai en disant je nuancerai par rapport à ce que disait Philippe Thiusbord tout à l'heure. Oui, il y a des grands groupes qui peuvent prendre en charge des choses qui appartiennent, qui sont de la responsabilité de l'État. Et je reviens aussi aux questions sur le partenariat. Mais si on veut tuer le développement des entreprises, des PME africaines en matière agricole et agroalimentaire, faisons-leur porter toutes les charges qui appartiennent normalement au secteur public. Si vous dites à quelqu'un qui fait du gris de maïs, ah ben, organise les producteurs de maïs ivoiriens, organise le marché de telle manière que tu sois pas, ton acheteur ne soit pas en concurrence avec du gris de maïs importé, elle met la clé sous la porte, l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est... Il y a des gens qui veulent prendre des initiatives, il y a des capacités, objectivement, de développer des secteurs agroalimentaires en Afrique, avec des transferts de technologies de la part d'entreprises françaises, qui elles-mêmes, les entreprises de l'ADEPTA, c'est 60% de PME, vous ne pouvez pas leur demander d'assurer la formation, le financement, et là encore, de se substituer aux bailleurs de fonds ou aux États africains pour participer au développement de ce secteur agroalimentaire africain. Ok, merci. Donc on va prendre peut-être, je crois qu'il reste une question. On va en prendre peut-être deux questions, voilà, parce que je vois monsieur également. Et deux questions brèves et deux réponses encore plus brèves pour pouvoir terminer à 45 comme prévu. Merci. Messieurs, bonjour. William Boukem, diplômé en transport et logistique. On a beaucoup parlé de l'augmentation de la productivité et de l'augmentation des rendements, mais selon les derniers chiffres de la BAD, de la FAO, l'Afrique perd 40 à 50% de ses récoltes du fait de faibles capacités en termes de stockage. Je voudrais savoir quelles sont les politiques mises respectivement en place par vos groupes pour l'amélioration de la chaîne du froid, puisqu'on peut déjà récupérer au moins une partie de ces 40% de pertes avant de penser à augmenter la productivité des différentes champs et productions. Merci. Merci. Alors, je crois qu'il y a monsieur et monsieur. Donc voilà. Merci bien, c'est le Mali. Et je voudrais dire au monsieur qui a parlé de l'Office du Niger que l'Office du Niger a 1 million d'hectares immatriculés au nom de l'État. Depuis 56 ans d'indépendance, nous n'avons pu mettre en valeur pour le moment que moins de 200 000 hectares. Donc le Mali a besoin de partenariats dans ce domaine-là pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas seulement
on peut développer une véritable autosuffisance alimentaire presque toute la, pour toute la, la sous-région. Parce que le Mali a toujours été considéré comme le grenier de la sous-région. Donc, moi, je pense que, vous le savez très bien, si vous voulez vraiment nous aider dans ce domaine-là, nous pouvons parfaitement travailler ensemble pour pouvoir développer ça dans l'intérêt de l'ensemble de la sous-région. Donc, la possibilité est là. Et puis, dans le domaine des cultures vivrières, mais également ce que vous appelez l'agriculture familiale. Bon, nous sommes maintenant au stade de la mécanisation, parce que la méthode archaïque de la daba, de la houe, mais nettement insuffisante pour nourrir son homme. Donc, moi, je pense qu'avec nos pays-là, il y a beaucoup de possibilités de négociation. OK. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Très vite, monsieur. Merci. Alors, non, mais on ne va pas s'en sortir, parce qu'il faut qu'on on a trop de questions. Donc, alors, en un quart de seconde, la question, s'il vous plaît, madame, puisque vous avez le micro. D'accord, merci. Nous, en venant ici, on a pensé au partenariat, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas produire sans mécanisation. On a pensé qu'au bout de 5 ans, avec Afrique et France, là, on allait améliorer ces conditions pour mécaniser l'Afrique. Parce que c'est un problème qui peut résorber même la crise des migrants qui est là aujourd'hui. Avec toutes ces terres que nous avons, si on peut avoir des partenaires de la France à améliorer les conditions de l'agriculture, de l'agro-business, on va s'en sortir. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire circuler plusieurs micros? Est-ce qu'on perd à chaque fois? Donc, très vite, monsieur, oui. Donc, Richard Dambrine, moi, je suis consultant, ingénieur agronome. J'ai eu un immense avantage pour revenir sur des questions d'être l'ingénieur principal d'un PPP qui s'est passé et qui est en cours aujourd'hui en Guinée. PPP dont, qui est donc un partenariat public-privé. Et les parties prenantes, c'est une entreprise, je dirais multinationale, parce qu'il y a un Français, il y a un Américain et deux Guinéens. La deuxième partie prenante, c'est les 600 à 700 petits producteurs qui sont associés sur 10 000 hectares. Et dans les 10 000 hectares, il y a 2 500 hectares qui sont pour ces 600 à 800 petits producteurs. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, ils vont faire un GIE où tout le monde aura des prix garantis pour fournir demain l'agro-industriel qui va s'installer. Ça peut être une huilerie, ça peut être... Excusez-moi, quelle est votre question, s'il Donc, vous plaît, voilà. Monsieur. Donc, au lieu d'opposer les gens, il faut aujourd'hui, dans tous les pays, ce modèle-là peut être fait et la chaîne de valeur, elle sera tout de suite produite. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Et voilà. Merci bien, merci. Oui, merci à vous. Je pense qu'il ne faut pas escamoter ce débat. Le fondamental du développement de l'Afrique, c'est le développement de l'agriculture. Monsieur François l'a dit tout à l'heure, le diagnostic est posé. Ce qu'il faudrait chercher dans cette rencontre Africa-France, comment les paradigmes vont être levés? Comment est-ce que nous finançons l'agriculture et quelle agriculture? L'Afrique doit désormais produire pour nourrir l'Afrique. Nous avons fait un développement de l'agriculture qui était très extraverti. On était inscrit dans les produits de rente et on veut changer maintenant pour nourrir cette Afrique qui, dans 30 ans, va doubler en population. Et nous sommes là à réfléchir un peu comme à l'ancienne, comment on finance cette Afrique-là. Alors, la question que je voudrais poser à toute la France, comment la France va être en partenariat gagnant-gagnant avec cette nouvelle Afrique qui voudrait produire pour la nourrir. Des problèmes de terre, les Africains sont en train de les régler. C'est réglé, ça. Problème de technicité, le monde a tellement évolué que c'est quand même une honte aujourd'hui qu'il y ait plus de la moitié de l'Afrique qui crève de faim. Sous nos yeux, tous les jours. Voilà des réalités. Les repas, on a à peine... Et la moitié de la population qui a 2 ou 3 repas par jour. Voilà les vraies réalités qui se posent. Et pendant ce temps, on va produire du coton qui n'habille personne,
qu'on ne transforme pas sur place. On va importer des produits congelés sur une bonne partie de l'Afrique, alors qu'on peut produire des œufs, on peut produire de la chair. Pour produire des œufs, il faut aujourd'hui combien ? 4 mois. Pour produire de la chair, il faut maximum 2 mois. Avons-nous encore besoin d'importer tout ça ? Et pourtant, ça se fait. Et tout le monde regarde ça et on bénit. On va de fora en fora et on réfléchit, mais on ne met pas en action. Alors, ma préoccupation en venant ici, comment avec la France, proximité linguistique, proximité géographique, proximité familiale, comment nous faisons aujourd'hui à la sortie d'ici pour dire on met en place un nouveau chemin pour que la France et cette Afrique de proximité, nous puissions justement aller dans un chemin qui permette à l'Afrique dans 10 ans maximum de se nourrir. Okay. Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme le temps est compté et même dépassé maintenant, peut-être que Philippe, en essayer peut-être à la fois en élément secondes, de synthèse. En quelques secondes, c'est ça ? En quelques secondes, voilà, que de répondre de manière effectivement à la fois synthétique et de présenter la synthèse de nos travaux. De manière très synthétique maintenant, parce que j'ai un débit compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, je reprends par rapport au sujet global de la sécurité alimentaire et de ce qui vient d'être dit. L'Afrique doit produire pour sa propre population. Je pense que c'était la base même de la réflexion du panel. Donc, tout le monde est conscient de ce point-là. Deuxièmement, par rapport au dialogue qui vient de se passer complémentairement, on doit retenir que les pouvoirs publics ont aussi une grosse responsabilité sur un grand nombre d'aspects et qu'il doit donc se dessiner des politiques publiques. Et là, il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent aussi leurs responsabilités. Le troisième point que je retiens de ce dernier dialogue, c'est le fait que les producteurs ont absolument besoin, notamment et encore plus dans l'agriculture familiale, mais en synergie avec les autres, de s'organiser. S'organiser pour pouvoir bénéficier des technologies nouvelles, de l'innovation, pouvoir mieux commercialiser leurs produits. Il y a sur ce plan un effort principal à faire entre liaison producteur et liaison industrie, qu'elle soit grande industrie ou qu'elle soit petite industrie, PME, au niveau local. Des initiatives doivent être prises dans ce sens-là. Évidemment, le besoin de technologie est important, mais je pense que là, justement, le partenariat avec la France est ouvert, et c'est sur ce registre-là que nous pouvons répondre aux espérances, je dirais, de l'ensemble du peuple africain. Et si, avec cette vision, ces nouvelles technologies qui doivent être, je dirais, à la disposition de l'ensemble des populations, je pense que les dirigeants politiques africains, s'ils permettent que ces choses se mettent en place, eh bien, le 21e siècle sera pour l'Afrique une réussite dans le cadre de son développement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour vos questions, votre participation et ces échanges. Merci aux panélistes. Et donc, encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, les débats se prolongeront à d'autres occasions. Merci encore. Hey.
de l'âme. Rio qui de l'âme, yo, yo, mimi de ma guido. Ma chérie.